Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi aujourd'hui ça va plutôt nickel. Les gars, aujourd'hui petite nouveauté, petite surprise. Ah, je suis vraiment trop hypé, tu vois, je savais pas en fait. Je savais pas quelque chose, je vais te le dire de suite. Non, clairement, les gars, je savais pas qu'on pouvait avoir des maps modées dans Pavlov. Ah ouais, ça c'est vraiment le feu. Alors là, clairement, alors je pense que les connaisseurs vont vite reconnaître où on est, tu vois. C'est sûr et certain. Voilà, on est. Voilà. Si tu le sais pas, c'est marqué. On est sur Hijacked de Black Ops 2, voilà, c'est une map hyper connue. Là, les gars, je suis hypé comme jamais. Oh, putain! Elle est de toute beauté, elle est très bien reproduite. Je crois que c'est exactement la même. Clairement, tous les détails sont là. Je fais le tour vite fait avant de lancer une partie en multi, juste pour vous montrer, tu vois. Mais c'est vraiment, pour le coup, ah ouais, elle est vraiment stylée, quoi. On a vraiment tout, la petite douche comme d'hab, on a le petit sauna, là, enfin, le petit... On s'appelle le petit jacuzzi, tu vois. Voilà, le petit jacuzzi, comme ça. Ah ouais, non, clairement, on fait un petit tour vite fait, tu vois. On a même la passerelle, tu sais, sur le côté, là. Voilà, qui mène là-bas. J'ai fait une petite partie dessus, franchement, ça va. Je me suis bien débrouillé, c'était sympa. C'est surtout sympa de se remettre... je sais pas si t'arrives à comprendre, tu sais, cette petite excitation, là, de rejouer sur une map pareille, c'est fou. Avec des armes normales, tu vois. Parce qu'il y a aussi cette folie, là, des armes futuristes en ce moment, là. Je comprends pas trop le délire, tu vois. C'est vraiment pas mon style de jeu, ça. Je trouve que Call of, c'est dommage, la franchise est vraiment partie en couille depuis quelques années. Ben, ils se sont rattrapés, du coup, en ressortant MW2, là. Mais sinon, voilà, j'étais quand même assez déçu de la franchise. Là, les gars, franchement, c'est le top, tu vois. On peut pas faire mieux. Ah ouais, là, pour le coup, on a notre bonne vieille machine à vie. Et notre petit sous-sol, voilà, le petit, comme d'habitude, le petit sous-sol qui fait le tour du bateau, qu'on connaît tous, de toute façon, hein, avec les deux machins, les deux groupes là qu'on peut contourner. On remonte, tac tac, et on arrive dans la cuisine en haut comme d'hab du yacht, le petit yacht. Voilà, impeccable, hop là, tac, et voilà. Et après, bon, comme d'hab, vous connaissez, on a la cuisine, on a le salon là à droite. On peut monter à l'étage aussi. Bon, attention, après, je vous montrerai tout ça dans la game. Il n'y a pas de soucis. Les gars, ce que je fais, je vais mettre la partie parce que là, j'ai mis un code pour que personne ne vienne le temps de faire mon intro. Je vais aller enlever le code et on va se faire une petite partie dessus. Et c'est parti. Alors, les gars, j'ai une petite technique pour vous parce que là, j'attends que le monde arrive, tu vois. Je sais pas si vous le savez, mais bon, si jamais vous jouez à Pavlov comme moi, j'ai une petite technique pour glitch en fait et passer sur le bateau là. Alors, je sais, c'est pas illégal, tu vois, franchement. C'est juste un bug. Alors, t'as juste besoin de monter là, tu vois. Ça met un peu de temps, tu vois. Hop, il faut vraiment se décaler. Donc là, je suis monté un petit peu. Tu décales un peu à droite. Voilà. Et là, si tu veux, voilà, tu peux passer. Bon, et là, c'est la fête. Ouais. Clairement, là, tu peux normalement monter après un peu plus haut en faisant ça. Hop, après, on peut se mettre sur le côté là, tu vois. Hop, nickel. Voilà, c'est un petit glitch. Je l'ai découvert. Voilà, je me suis dit, est-ce qu'on peut monter? Voilà, impeccable. Et là, franchement, voilà, tu peux monter tout en haut. Là, clairement, avant qu'on te voit, si tu te cales bien sur le côté, tu vois, les mecs, ils vont vraiment avoir du mal. Surtout si leur spawn point, il est là-bas, clairement, t'es tranquille. Donc voilà, je vous montrerai le petit glitch. Allez, let's go. On s'en jaille. C'est parti. Oh, alors là, tu le sais. Oh putain, je suis trop chaud. Allez, hop. Tu le sais ce que c'est, le rituel. Hop. En général, ça passe, tu vois. Il y a quand même de fortes chances pour que ça... J'ai réussi à le faire, hein, donc je te le dis clairement, c'est faisable, tu vois. Allez, c'est parti, on va passer là-bas. Il y a deux mecs, ouais, ça va. Pour l'instant, on est quatre. On est bien, on fait ça en comité réduit, tu vois. On va pas commencer comme ça. Moi qui te le dis. Allez, hop. J'attends d'avoir, du coup, la lunette réflexe et le silencieux, là, parce que je suis pas mort encore. Alors, du coup, c'est la première game. Il me faut ça. Pour commencer, tu vois ce que je veux dire. Tu sais qu'on a Roxy Jungle et médecine. Allez hop. Moi, je pense que je vais les spot. Allez hop. Mais t'es... Waouh, t'es vachement grand toi. T'es épais mon gars. Bon, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses les gars. Allez, c'est parti. Ah. Là ça va envoyer, je t'en rends compte. What? Ça tire chez moi là? Allez hop, ça dégage. Faut pas être pressé comme ça. En plus, je l'avais même pas vu, tu vois. Genre, il avait largement le temps de changer d'arme et de m'allumer. Hein. Franchement, j'aurais même pas vu. Arrête, regarde. Allez hop. Voilà. On en fait qu'une bouchée. J'essaie de. Ça, c'est vraiment l'avantage sur cette map, tu vois. C'est qu'absolument. Enfin, j'essaye vraiment, tu vois, de tirer à travers les objets. Parce que là,
très souvent ça passe, tu vois, clairement à l'ancienne, tu vois. Merde. À l'ancienne, à travers ça, à travers ça, à travers... à travers tout. Même à travers le spawn, là, en général, ça passe. Je sais qu'il y a un endroit où ça passait. Après, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué, tu vois, que... Allez, hop. T'inquiète, je connais la map, hein. Tu te cacheras pas. Oh, joli. Il est trop fier de lui. Ah, il a 2 kills, hein. Ça va. Tiens, voilà. Oh, si j'ai réussi à en attraper un live avec vous là, clairement, enfin là, je m'entends quoi. Là, clairement, champagne quoi. Putain, c'est dommage, il était passé. C'est vraiment dommage. Attends, il y a peut-être un autre qui va passer là. Ah non. Ça passe pas. Oh, ça y est, il y a du peuple là. Là, les gars. Ah, bah oui, nickel, ça y est, on va pouvoir passer. Oh, je suis sérieuse. Tu sais, quand ça rush là. Oh, excuse-moi frère, t'es mal tombé. Là pour le coup. Putain, ça a tiré de là-bas. Il a réussi à l'avoir. Ah, il était coin. Je me disais, mais comment il l'a eu à travers le. Ah ouais, j'adore cette map. Clairement, les gars, c'est l'une de mes préférées. Alors celle-là, elle est terrible. Hein. Clairement, ça rappelle trop des bons souvenirs, tu vois. C'est vraiment. C'est la nostalgie. C'est trop ça, c'est la nostalgie. 18 kills, je regardais à côté en fait, je regardais à gauche, pour ça je me suis trompé, tu vois. Après voilà, ça c'est des maps, c'est le style de map, si tu la connais pas, c'est pas possible, y a un problème, tu vois. Ou alors t'es beaucoup trop jeune, faut pas que tu regardes ce que t'es en train de regarder là. Non, non, franchement, tu le sais. Tu le sais, comment ça se passe. Allez hop. Alors, je vous l'avais dit ou pas que j'en choperais un à travers le mur. Eh ben voilà. Voilà. Ouais, comment ça se passe, tu vois. Je parlais plus, il y avait trop de monde, tu vois. Ah, clairement, on a fait un petit spawn kill, ça fait plaisir. Hop, on va... Attends, je vais tirer. Juste au cas où, tu vois, parce que je sais qu'il y en a qui s'y planquent, mais très souvent, donc... clairement, ouais. Oh, je l'ai pas eu. Oh. Ah bah oui, c'était sûr. Aide-moi, monsieur. Aide-moi, grand monsieur. J'ai en vert, là. Allez, hop. Oh, le mec. Tiens, regarde. Bon, c'est sûr qu'il va revenir, voilà, c'était sûr. What? Qui c'est que j'ai touché là? What? Pour le coup, je m'y attendais pas. Je crois que j'ai touché un de mes collègues, hein, c'est obligé. Hein. Ah non, là, clairement, laisse tomber. Oh. J'ai trop chaud. Oh, laisse tomber. Il a pris du très sale. Allez, c'est parti, on attaque, on rush. Let's go, guy. Oh là. Je m'en doutais. Hop. J'essaie d'aller au spawn, mais si je suis tout seul, ça va pas le faire. Là, clairement, là, ça va pas le faire du tout. Oh, lui, là-bas. Oh, dans le coco. Bon, clairement, je vais pas le spawn kill, parce que ça sert à rien, tu vois. Bon, je le fais une dernière fois. C'était vraiment la dernière, tu vois. J'en ai vu au fond, là-bas. Par contre, je suis obligé de le tuer, il bouge. Hein. Oh, j'ai raté. Oh, il va y aller, tire. Tire, il va y aller. Oh, pff. Mais j'ai de la merde dans les yeux ou quoi? Bah ouais, j'ai de la merde dans les yeux. Mais c'est incroyable de se chier autant comme ça là. Bon, je sais pas combien on est. À 38 kills, bon, ça va. Cette petite map après assez proche, donc pour moi c'est quand même plus simple. Ah bah nickel, voilà. GG les gars. Nice. Jokes. Impeccable. Du coup 49, c'est pas mal. 49, c'est un beau score, hein. Clairement. On commence à tâter du level. Ok, ben voilà les gars, on en a fini pour aujourd'hui. Cette vidéo, elle sera plutôt courte. C'est fait exprès parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo par jour, en plus des autres, de tout ce qu'il y a, sur un peu les maps, qu'il y a toutes les maps de Pavlov. Je crois qu'il y en a, 1400, tu vois. Donc si on commence à partir d'aujourd'hui, 4x3, 12, ouais, d'ici 4 ans, c'est bon si... Je pense qu'on aura fait le tour. Voilà les gars, pour la prochaine fois, on va sur une map spéciale que vous allez tous surkiffer. Ça, je le sais très bien, tu vois.
Je vous en dis pas plus, mais c'est dans le même style. Je suis persuadé, je sais que vous le savez, toi, je le sais. Les gars, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Les gars, c'était Waikil et je vous dis ciao.